Bravo les filles, bravo, bravo. Bravo les filles. Ouais, c'est bon les garçons, merci les filles. Merci. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur C8, l'émission où on joue au bowling. Vous êtes sur le plateau de Strike et j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui porte un nom qui représente la qualité. C'est une personne de qualité, voici Vincent. Bonsoir Vincent, ça va bien? Je t'en prie, installe-toi. Et de quel coin de la France? La plus belle ville du monde, Saint-Malo. Un Malouin. Oui. Voici donc un Malouin. Tu fais quoi dans la vie? Je suis négociateur immobilier. Très bien. Une femme, un homme dans ta vie? Une petite femme. Une petite femme? Ouais. D'accord. Elle est là? Non, elle n'est pas là. Elle bosse, elle est infirmière. Très bien. Qu'est-ce que tu fais avec 50 000 euros? Parce que tu vas les gagner. Bien sûr, je vais les gagner. Eh ben, elle sera contente, on va pouvoir s'acheter une petite maison et puis faire plaisir à toute la famille. C'est bientôt Noël. Je te le souhaite. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour épauler Vincent, deux personnes dont je connais une très, très, très bien. J'ai eu la chance de faire mes débuts avec lui. On partait tous les deux en scooter pour aller enregistrer les émissions de la classe. Jean-Marie Bigard. 30 ans plus tard, il est toujours là. Ça fait un peu Scotland Yard. J'attends que ça s'arrête. Et bon, Jean-Marie. Comment tu vas? Bien. C'était bien. Jean-Marie, tu t'installes avec l'ami Vincent. Ouais. Et de l'autre côté, la partie féminine, elle est belle, elle est jeune. Elle a décidé de partager la vie de Jean-Marie Bigard. Vous la retrouvez dans Plus belle la vie, bientôt dans un film avec Yvan Attal, mais on en reparlera. Voici Lola Marois, Madame Bigard. Mon amour, Madame Marois, je t'en prie, comment vas-tu? Bonjour. Bonsoir ma belle, c'est plaisir de te rencontrer, de te connaître, merci, je t'en prie. Va te mettre sur les bancs de l'école. Vincent, Lola, Lola, Vincent. Bonjour. Ça va, ça suffit. Jean-Marie, Lola, Lola, Jean-Marie. Je demanderai de rester calme, d'accord? Tu connais le principe de cette émission? Absolument. Gagner 50 000 euros avec une échelle des gains qui est ici et qui va représenter les 12 questions qu'on va te poser. À chaque question, 12 propositions de réponse. Avant chaque question, on fait une partie de bowling. On enlève autant de mauvaises réponses que tu fais tomber de quilles. Si tu fais un strike, on passe directement à la question suivante. L'échelle des gains qui commence à 100 euros avec la première question et qui finit à 50 000 à la 12e, tu peux cadenasser cette échelle des gains quand tu le veux. Si tu cadenasses à 1 000 euros et que tu échoues à 3 500 ou 6 000 euros, tu ne repars pas les mains vides, tu repars avec 1 000 euros. Voilà. Il y a deux jokers. Le premier, un smartphone qui te donne l'occasion et la possibilité en 45 secondes d'aller chercher la réponse sur Internet. Et l'autre joker qui n'est autre que ma deuxième passion, telle que la mécanique, les sports mécaniques, les sports d'eau. Mesdames et messieurs, champion du monde mondial de la Terre, meilleur de mon quartier, votre serviteur. Durant l'émission, il y a également la question cash. Et là, tu peux gagner 300 balles en fraîche tout de suite. Yes. OK? Des questions? Non. Moi, je vais prendre l'argent maintenant, par contre. T'es pas vénal du tout, toi. Moi, je vais pas prendre les questions, je vais prendre que le pognon. Moi. Donnez-moi le crispy. Est-ce que vous voulez faire un coup d'essai avant de démarrer? Ah oui. Ah oui. Oui. On va commencer avec Jean-Marie. D'accord. Jean-Marie. Allez, Jean-Marie. Viens faire un coup d'essai. Regarde-moi bien. Allez. Jean-Marie, qui est une pointure au volant... Et d'ailleurs, souvent, quand il arrive dans l'écurie qu'il y a un problème, il dit « Il y a un problème dans la voiture !» Et le chef d'atelier lui dit « Ouais, le problème, il est entre le baquet et le volant. » Alors, regarde bien. Voilà. Ça va, ça va. Non, mais bon. Pas mal. Pas terrible. Non, mais... Hey. L'important, c'est de toucher une quille, de ne pas faire une gouttière. Si vous faites une gouttière, la personne qui joue après n'a plus qu'une boule. Ah, merde. Lola, tente ta chance. Allez, on va remettre les quilles en place. Chérie, regarde bien les petites flèches. Arrête de me donner des conseils. Regarde les petites flèches, chérie. Je suis une grande fille. Tu prends celle du milieu, d'accord? Allez, attention. Yeah!
c'est bon ça. À partir de maintenant. Oh mince. À partir de maintenant, tu vouvoies ta femme. Bien sûr. Et surtout, tu fermes ta gueule. Ah mais c'est ce que je fais à la maison tous les jours. Vincent, allez, à coup d'essai et on démarre la partie. Bravo, chérie. Allez. Allez, tout droit. Reste là, Vincent. Bon. Alors, premier record. Hey, Vincent, appelle Cyril tout de suite, il a paumé 50 000 balles. Oui, c'est ce que je vais lui dire. À mon avis, il faut appeler Cyril qui vend de la bagnole parce qu'on a paumé 50 000. N'empêche que, mine de, vous avez quand même le premier record, 3 lancés, 2 strikes. Ouais. Bon okay. Ça. Là, Hanouna, il est en train de se dire pourquoi j'ai fait cette émission. Ouais. À partir de maintenant, on joue pour du pognon. Voici l'indice de la première question. Un héros hors du commun. La réponse, c'est moi. Ok. Bien sûr. Comment ça, bien sûr? Ah ben attends. Bien sûr, votre honneur. Allez. Allez, Vincent. Allez. Allez. Tout droit. Allez, Vincent. C'est pas mal, c'est pas mal. 7 sur 10. 8. Ah, je sais pas si c'est 7 ou 8. Il y en a une qui est tombée après. Est-ce que ça va être 7? Est-ce que ça va être 8? C'est 7. 7 qui sur 10, il t'en reste 3. Eh, ça, c'est jouable. Hein. Deux bandes c'est avant. Jouable, ça. Deux bandes avant, à gauche-droite. Et tout droit. Ouais. Bon, 9 sur 10. Bravo. Bien. 9 sur 10, ce qui nous fait 3 propositions droit. De réponse pour répondre à cette question. Un héros hors du commun, voici la question. Quel héros de dessin animé a toujours un œil fermé? Diabolo, Popeye, Scooby-Doo. Eh. Diabolo. Bah c'est notre. C'est qui Diabolo? Non, j'ai dit c'est Diabolo. Ah oui. Eh, c'est notre enfant ça. Mais toi, c'est la première question ça? Ah oui, c'est la première question. 45 secondes. Diabolo, Popeye. Diabolo, c'est le chien des fous du volant. Une idée. Scooby-Doo, c'est le canet corso dans Scooby-Doo. Popeye, c'est Popeye de terre, le mal. On va dire Popeye. Ouais. Hein? Popeye, ouais. Ah, je me prononce pas parce que. Mais chérie, t'es trop jeune. Ouais, c'est pas ma génération d'ailleurs, je sais pas ce que je fais là en fait. Popeye. Vraiment, c'est agréable. Popeye. Vraiment. Hein. Je te remercie. Il m'avait prévenu, Jean-Marie, en disant, tu vas voir, elle est désagréable comme tout. Mais alors là, oui. Première question, c'est pas ma génération. Appelle-moi papa aussi. Ah oui. On dit Popeye, the Sailor Man. Et c'est... Bravo. 100 euros. On les cadenasse. Non, on cadenasse pas. Pas non, tout de suite. On va cadenasser tout de suite. Voilà, Popeye, c'est le man. On joue pour 250 euros. C'est Jean-Marie qui vient tenter sa chance. Allez, chérie. Jean-Marie Bigard qui va jouer deux boules. Allez, tout droit, putain. Alors, l'indice. Attends, Jean-Marie. Attends. L'indice avec les nachos. C'est l'indice de la question. On en est à 3 strikes sur 5 lancés. Hey. Bien. Quand même, super, hein. Donc là, le strike, comme j'ai expliqué, on n'a même pas posé la question, on passe directement à la question. Il t'a niqué l'épaule. Eh, hey, oh, merde. Non, j'ai un ligament qui est. Non, mais fais gaffe quand même, parce que qui est ruiné. C'est un vieux modèle. Faut pas faire ça. Ouais. On a cassé le moule, là, il n'y a plus de pièces de rechange. Non, si tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut que tu ménages le vieux. Déjà, on l'a amené jusque-là, on se demande comment parfois. Hein. 250 euros, c'est gagné. On cadenasse pas, on continue, on joue pour 500 euros. On continue. Lola, à toi. Et tu as deux boules pour jouer, puisque pour l'instant, personne n'a fait de gouttière. Ah, tu prends la plus lourde, toi, 12 kilos. Ah non. Mais tu prends ce que tu veux.
plus le chiffre est gros, plus, plus la boule est lourde. D'accord, j'avais pas compris. Voilà. Ah bah oui, non. Tu vois, c'est plus facile. Évidemment. Allez, Lola. Attends, l'indice. Attends, on écoute l'indice. On écoute l'indice. L'indice nous dit Queen Bee. Queen Bee. Queen Bee. Ou Queen Bee. Encore une boule, et là, là tu nous pètes le sperre là. Là vous la sens, c'est le meilleur début de partie. Attends, mais c'est incroyable. Chérie, ah mais là je vais jamais y arriver, c'est chaud là. Chérie, vise le centre. Il suffit que tu l'effleures. Fais comme s'il y avait toutes les quilles. Vise le centre. J'y vais. Et quand même un petit peu sur la droite quand même. Si tu le sens, ouais. Allez, hey, hey chérie. Il n'y a pas de gouttière. Il n'y a pas de gouttière. Super. Alors, je me suis précipité. Pour 500 euros, une réponse sur trois est la bonne. Voici la question. C'est pour toi, chérie. Ah oui, c'est pour moi. C'est toi, Lola, ça. Quel groupe a rendu Beyoncé célèbre? Tu sais, chérie. Bah oui, je sais. Spice Girl, Destiny Child, Zouk Machine. Destiny's Child. Alors là, c'est ta génération. Ah oui. Ah voilà, tu vois. Ça, c'est pas la nôtre. Ça sert d'avoir une jeune. À la maison. Oui. Non, mais si, c'est vrai, c'est important parce qu'on pense à nos vieux jours. Parce que ça passe de femme à garde malade. Ouais. Et après, à veuve. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est la vérité. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu vas voir, c'est ce qui t'attend. Oh, merde. T'as quand même plus de chances qu'il parte avant toi. Hein. Surtout dans l'état où il est. Hein. Oh. Merci, Vincent. Alors. Non, mais moi, ce qui me rassure, c'est que je serai juste derrière. Oui, on y va. Donc, on a dit Destiny Child. Ouais. Oui, on dit Destiny Child. Et c'est... Les vélos, là. Alors, on a gagné 500 euros, on cadenasse, on verrouille, on continue. Pas encore, Vincent. On cadenasse pas. Et on n'est pas là pour enfiler des perles. À laquelle on se tombe les quilles, j'aime autant vous dire que Hanouna a du souci à se faire. On joue pour 1000 euros et c'est Vincent avec ses deux boules qui va tenter de nous faire péter le score. Allez, Vincent. Vincent, tu as deux boules. Essaye d'en faire bon usage. Oui, enfin bon, attends, l'indice. On va pas la ramener non plus parce qu'on a deux boules. Hein. Le grand bleu. C'est pour moi, ça. Non, toi, c'est le gros rouge. Allez, Vincent, tout droit. Oui. Ah non, mais moi, j'aime bien la partie, là. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Alors, il nous reste une qui, et si tu nous fais un spare, ça sera une chance sur deux pour 1000 euros. C'est la plus dure, celle-là. Ah oui, c'est la dernière. Allez, Vincent ! Oh non ! Non, 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 non. Ça, c'est dur, ça, c'est mortel. Il a essayé de la faire tourner, mais ça n'a pas marché. Ah, la télécommande était super dure. C'est hyper dur. Allez, trois propositions, trois peu de réponses, une seule est la bonne. Le Grand Bleu, quelle destination de rêve est située dans les Caraïbes? Est-ce Hawaï, Tahiti, les Bahamas? Alors, laquelle de ces trois îles est dans les Caraïbes? Située dans les Caraïbes, c'est ça la question? Oui, c'est écrit. Alors, je suis désolé pour Cyril Hanouna, mais je connais la réponse. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous, tant mieux pour Vincent. Les Bahamas aussi, non? Oui, c'est-à-dire que moi, je suis allé aux Bahamas et je te garantis que partout, c'était marqué que nous étions dans les Caraïbes. Oui. Aux Bahamas, sûrement pas à Tahiti, où est mon ami Olivier de Kersauzon. Sûrement pas à Hawaï. Qu'est-ce qui se passe? On dit Bahamas. Bahamas. Caraïbes. Vincent. Les Caraïbes. On dit les Bahamas sont situés dans les Caraïbes. Absolument. On joue pour 1000 euros sans avoir cadenassé, sans joker. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Non, non, mais si. Allez, on y va. On y va, si je veux.
Voici la réponse. L'idée de jouer sans joker. Les Bahamas sont situés. Ouais. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Bon, on a gagné 1000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Il faut faire quoi? Ah ben, soit on les cadenasse, soit on continue. Pas. On attend. 1000 balles, attends. Ouais, non. On attend, Vincent. Cadenasse pas avant 3005. Et s'il se plante avant, t'auras Jean-Marie qui dira: putain, t'es con, je t'avais dit de cadenasser, quoi. C'est joué après. Si tu perds, t'as forcément la somme. Il ne pourra pas descendre en dessous de cette somme. Et il est pas venu. C'est la question cash. Viens là, Vincent. La question cash, elle va te permettre de gagner 300 euros en liquide tout de suite, de la main à la main, si tu réponds correctement à la question en 10 secondes. Ok. Sachant que toutes les secondes, tu perds 30 euros. D'accord. Ok. Tu n'as pas d'aide, tu as rien. Jean-Marie, Lola ne peuvent pas t'aider. Si tu fais un strike, tu as les 300 balles sans même poser la question. Et si par malheur tu faisais une gouttière, ça n'aurait aucun. On s'en fout. Ok. On s'en tape l'œil. Ça marche. D'accord. Voici la partie. J'allais dire voici la question. Non, voici la partie. Allez, Vincent. Tout droit. Allez, 10 cm à... Tout droit. À gauche. C'est bien, hein. Ouais. Allez. Attends, si tu fais le super, c'est une chance sur 3. Une chance sur 2. Allez, Vincent. Allez, mon Vince. Tout droit. Ouais, c'est bon, ça. C'est excellent. Oh. Spare. Les Dickies sont tombés en deux coups. Super, bien parti. Une question, deux réponses. Je lis la question, je lis les réponses, je dis top chrono. Dès que tu as la réponse, tu arrêtes le chrono en disant top chrono. Ok. Donc, faut que tu ailles très vite. Okay. Question. Quel aliment les Européens ont-ils découvert en Amérique? Le riz, le cacao, top chrono. Top le cacao. Et heureusement que j'ai pas mis mes doigts, ils m'auraient bouffé un doigt. Tu vois. Le cacao, si c'est le cacao que les Européens ont découvert en Amérique, je te donne 280 euros. Tout de suite. Le riz en Asie. Le riz est en Asie, le cacao en Amérique. La bonne réponse était... cacao. Yes. Bravo. Bien sûr. D'ailleurs, Dan, je vais gérer son argent. 280 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, range ça dans ta poche. Non. C'est à qui de jouer? C'est à Jean-Marie de jouer. Allez, Jean-Marie. Il va jouer deux boules pour tenter d'atteindre les 2000 euros. Et l'indice de cette cinquième question n'est autre que... sur les bords du Nil. Ah merde. Non, ça va le faire. Allez, Jean-Marie. Allez. Ça y est. Oh merde. Oh merde. Oh non. Pas grave. Si c'est passé. T'as une deuxième boule ou pas? Oui, t'as une deuxième boule, c'est Lola qui a perdu une boule. Ah non. T'as perdu une boule, ma belle. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a fait une gouttière. Allez, Jean-Marie, c'est pas grave. Comment allez. Est-ce possible? Allez. C'est possible. Allez. Voilà, ça rattrape bien, ça. Voilà. Voilà. 8 sur 10. L'affaire est bonne. Bien joué, Jean-Marie. Vas-y, repose ta carcasse. Alors, 4 propositions de réponse. Une est la bonne. Voici la question. Complétez les paroles de la chanson Alexandrie Alexandra de Claude François. Il y a un truc qui est épouvantable à la télévision, c'est la pub. Oh non! Nous sommes de retour sur le plateau de Strike. On est sur C8 et nous jouons avec Vincent qui est accompagné par mon pote de toujours, Jean-Marie Bigard, et sa très jolie épouse, Lola Marois. La question était, compléter les paroles de la chanson Alexandrie Alexandra de Claude François. Alexandrie, ce soir je danse.
si tu ne me retiens pas et tu meurs de froid au fond de toi, dans tes draps. Ce soir, je danse si tu ne me retiens pas. Et toi, tu meurs de froid. Vas-y, chante. Alexandrie, Alexandra. Ah. Alexandrie, ce... Ah oui, non. Moi, je dirais si tu ne me retiens soir, pas, non. Alexandrie, ce soir, je danse au fond de toi. Si vous ne chantez pas, prenez un joker. Alexandrie, ce soir je danse au fond de toi. J'ai plus d'appétit, si c'est ça. Ce soir je danse et tu ne me retiens pas. Oui, qu'un barracuda. Allez, joker, joker, non. C'est pas, si tu ne me retiens pas. Si tu ne me retiens pas. Non, c'est pas ça. T'as pas cadenassé, hein. Ouais, bah... On n'a pas vraiment de certitude. Toi, tu penses, c'est toi, tu meurs de froid. Non, si joker, putain, les gars. Joker, joker. Joker, joker. Lequel des deux on prend? Si tu prends le joueur professionnel du monde mondial de la Terre, je suis pas sûr de faire mieux que Jean-Marie sur ce coup-là. Ce soir, je dors. Moi, je serai toi, je taperai. Parole, Alexandre. Et après, il te reste 30 secondes pour lire les trucs, et ça, à mon avis, c'est bon. Ouais. Allez, on fait ça. On fait ça? Allez. Youssef, s'il te plaît. C'est un beau bébé, hein? Merci, ma poule. Vas-y, attention. C'est toi qui tapes? Ouais. Au moment où je lâche le smartphone, t'as 45 secondes pour trouver la réponse. Ok. T'es prêt? C'est parti. Allez, top chrono, c'est parti. Parole, Alexandrie. Allez, c'est bon, elles y sont là, voilà, tu vois. Alexandrie, Alexandra, Claude François. Voilà. Parole, Claude François. Allez! Il faut qu'il charge ce con là maintenant. C'est quoi ça? Ah! Il y a un problème! Ah ouais, ce site. Je... Voilà, ça y est. Ah! Ah! Allez, 25 secondes. Je suis dans ta vie. Alexandrie ou l'amour dans la nuit. Attends. Descends. Si l'amour danse au fond des draps, ce soir j'ai la fièvre et toi tu meurs de froid. Non, attends, descends. Au fond des draps, ce soir, machin, Alexandrie. Dans les draps, regarde. Je suis dans les draps. Je suis dans tes draps. Alexandrie, ce soir, je danse. Je suis dans tes draps. Oui, non, je danse. Je danse. Je danse. Je danse dans tes draps. Dans tes draps, c'est je danse dans tes draps. C'est bon. C'est dans tes draps. Oui, dans tes draps. Si tu veux, les quatre, elles y sont. Ouais, mais il y en a une qui correspond. Non, mais c'est ça. Aux paroles, Alexandrie, ce soir, je danse. Alexandrie, ce soir, je danse dans tes draps. J'ai plus d'appétit, c'est ça. Tiens, barracuda. Oui, je danse dans tes draps, je te dis pas ce qui se passe après. Donc, on s'arrête dans tes draps. Oui. Hein? Si c'est la bonne réponse, grâce au joker, on aura 2000 euros. Voici la révélation. On est parti à fond parce que c'est la gueule très vite. Oui, faut se méfier, faut se méfier, faut se méfier. Oui, je verrouille. 2000 euros, tu cadenasses la somme. Je crois que c'est sage. C'est bien, t'as déjà gagné ça, sûr. Mais quoi qui se passe? Tu as déjà gagné 2280 euros. C'est très bien, c'est très bien. On continue avec Lola, qui allez, malheureusement, Lola, à cause de son époux, allez, chérie, a perdu allez, une boule. C'est un coup, hein. Chérie, ah ouais, tu n'as qu'une boule. Vas-y, chérie. Indice, attends, attends, Lola, ah, attends, Lola, 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 attends. L'indice. Chouchou. Vas-y, chouchou. Allez, chouchou. Oui. Allez. Oh non, non, non. À cause de toi, j'ai qu'un coup. Ah oui, chérie. C'est pas mal, Lola. Mais non, à cause de toi, j'ai qu'un coup. Là, je l'aurais rattrapé, là. Oui, d'accord, chérie. Mais on verra ça à la maison, s'il te plaît. Hein? Chérie. Mais alors, je peux y jouer quand même. Quel gâteau se prépare avec la pâte à choux? Oh là là. Chouchou. S. La Charlotte, le millefeuille, oh le merveilleux, là, le pitivier, le moka, le Saint-Honoré, le fraisier, l'opéra, le bavarois. Oh, oh là, la vache, chrono. Ah non, mais là, c'est même pas la peine. Moi, je sais pas du tout. Hein. Alors, comme ça, je dirais le merveilleux. Ah bon? Tu ouais, cuisines? Un petit peu. Ah ouais, là, si tu dis ça, c'est que tu cuisines. Donc, on a un autre joker et... qui permettrait de faire tomber un peu plus le de millefeuille, non. Le millefeuille, non. Et c'est le la pâte joker, feuilletée. Il ne la Charlotte, de faire non, tomber combien? Le pitivier, c'est quoi, ça? Si je fais bien un strike, et on passe à la question suivante. Ah. Si je merde complet, je merde complet. Tu es notre deuxième joker. Absolument. Hein, ça, j'ai compris. Voilà.
Bah, il faut qu'il fasse tomber, parce que comme ça, si jamais ton merveilleux, il passe à la poubelle, eh ben, on saura que... Eh, hey, 10 secondes, 9 secondes Qu'est-ce que tu fais? Vite, 5 secondes. Joker. Donc, je pose pas la question, lequel prenez-vous? Donc là, je fais tout le côté un peu frime, tu vois, genre... Ouais, vas-y, Vincent. Allez, Vincent. Là, d'un coup, il y a Lola qui se dit, putain, j'ai peut-être mal choisi. Ah non, mais tiens bien la route, le vieux, aussi, là. Sur les deux du Muppet Show, je crois que je me suis gouré. Et là, c'est toute la prime avec les effets spéciaux, regarde bien. Je suis resté très mécanique. Oui. Allez, Vincent. Bon. Allez, Vincent, fais-le pour nous. Allez, Vincent. Je pense que je fais une gouttière. Je ne crois pas, c'est pas grave. Deux, hein. On va voir si ton merveilleux passe à la gamelle. Merci Vincent. Ah, il y en a deux. Il y en a deux, mais c'est comme s'il y en avait une, hein. Allez. Bien, hein. Allez, Vincent. C'est vachement dur quand il en reste qu'une ou deux. Laisse tomber. C'était vachement. On a quand même un peu réduit. Qu'on a réduit. Voilà. Oh. Le ah bah Baba, le Piti, le merveilleux, il est passé à la gamelle. Charlotte. On a cadenassé à 2000 euros. Qu'est-ce que c'est le Pitivier? La Charlotte, c'est des biscuits là qu'on trempe. Ouais, voilà. Pitivier, ça m'étonnerait le Pitivier. C'est plutôt de la pâte d'amande, truc comme ça, tu vois, le Pitivier, à mon avis, hein. La Charlotte, je vois pas ce qu'il y a de pâte à choux dans la Charlotte. Non, la Charlotte, c'est sûr. Le Bavarois. Alors, c'est le Saint-Honoré. C'est un gâteau au chocolat. Moi, ouais, Saint-Honoré, c'est comme un éclair, non? Ouais. Et là, il y aurait peut-être de la pâte à choux là-dedans. Oui, c'est sûr, mais j'ai un doute, je sais pas ce Vite que c'est. Saint-Honoré. Le Saint-Honoré. Bon. Si on s'en sort sur ce coup-là, je vais te dire, on sera pas mal. Il y a quelqu'un qui va parler là ou ça... Non. Non, on parle pas. Oh si, tiens, on va parler de vous. Ah. C'est quoi, tant qu'à faire, tant qu'à parler, autant parler des copains. C'est pas bon signe. Alors, je suis avec mon pote Jean-Marie Bigard qui est en tournée dans toute la France avec un spectacle qui s'appelle « Il était une fois Bigard ». Oui, c'est un peu prétentieux, mais c'est ça. Tu reprends tes sketchs. Les spectateurs ont voté pour 20 sketchs de toute ma carrière. Et moi, j'ai tricoté... avec mes petites mains, un spectacle idéal de toute ma carrière. C'était vraiment des très, très bons souvenirs. Bravo. Et puis, on a sa moitié. Lola, toi, on t'a vu pendant mais très longtemps dans Plus belle la vie. Et encore, on pendant toujours. Longtemps. On t'y voit toujours. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 1 an et demi. Donc, dans Plus belle la vie, tu es Ariane Ersan. Oui, c'est ça. Non. C'est le JR de la série, tu vois. Absolument. Il l'adore. Et on te verra bientôt au cinéma dans un film de Yvan Attal qui s'appelle Mon chien stupide. C'est ça. En deux mots, c'est un chien stupide. C'est, ouais, c'est une comédie voilà, sociale très, très rigolote avec la patte d'Yvan Attal. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir pris du temps pour venir nous retrouver sur le plateau. Toutes les gentillesses que tu viens de nous dire, c'est pour nous dire qu'on s'est viandé, en fait, c'est ça, ça ouais, c'est pour rester sur une note positive. Mais oui, d'accord. Quoique, j'en sais rien. Moi, j'aurais pu jamais être pâtissier. Là, pour 3500 euros, le gâteau qui se prépare avec la pâte à choux est le Bavarois, le Pitivier, la Charlotte ou le Saint-Honoré. Vous avez opté pour le Saint-Honoré. Et la bonne réponse était... Aïe, 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 j'ai peur. Je suis trop content. Bon, bravo. On n'a plus de joker. Il nous reste un cadenas. Et là, on a fouetté un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On cadenasse ou on se dit non, allez,
On a peur de rien, on est des guerriers. Il a le droit de recadenasser ? Ah, on peut cadenasser une deuxième fois. Ah, mais il ne gagne pas les 2000 et les 3005. Si on recadenasse, c'est à 3005. Je vais suivre le conseil de Lola, je vais cadenasser. On assure 3 500 €. Ouais, t'as raison. Et on tente les 6 000 €. Et c'est à Vincent. Allez. De venir nous retrouver. Pour jouer. Tu une veux ton pognon, alors vas-y. Deux boules. Allez, tout droit. L'indice, attends. L'indice grade. Et d'ailleurs, tu vas en prendre pour. Ouais, allez, tout droit. Vincent, tout droit. Mais attends, il allez, plein soir. Pot. Bien. Attends, c'est bien. Super. Et en plus, c'est au milieu. Allez. Fais comme s'il y avait toutes les quilles, Vincent. Tout droit, Vincent. Mais c'est mission impossible quand il en reste qu'une seule. Ouais, mais tout à l'heure, moi, c'est penche la piste un peu. C'est possible. Oui, je crois qu'il n'y a pas que la piste qui penche un petit peu. Ah, je suis breton, alors. Il reste 3 réponses et nous allons essayer de trouver la bonne parmi ces 3-là pour répondre à la question ayant un rapport avec le grade. Parmi ces grades de la gendarmerie nationale, quel est le moins ? Jean-Marie, tu vas savoir. Oui. Tu vas savoir. L'adjudant, le général de division, le brigadier, quel est le moins élevé des 3 ? Brigadier, je pense. Je pense que c'est le brigadier. Ouais, je pense. C'est le brigadier, parce que l'adjudant... Non, c'est pas le... De Funès. Hein ? Si on prend De Funès. Attends, quand il dit mon adjudant, c'est pas le. Ouais, mon adjudant, il est au-dessus, non ? Si, il dit mon adjudant à De Funès, je crois. Un brigadier ? Eh ben, c'est pour ça, on dit pas mon brigadier. Tu vois, on dit mon général, on dit mon adjudant, ça c'est sûr. Ouais. On dit pas mon brigadier. Non, mais on dit le brigadier chef. Ouais, mon brigadier chef. Attends, moi j'ai. Brigadier chef. Adjudant ou brigadier ? Brigadier. On s'arrête sur brigadier ? Est-ce que le gendarme le moins élevé au niveau du grade est le brigadier parmi l'adjudant, le général de division ou le brigadier? Allez. Pour 6 000 €. Allez. Bravo Jean-Marie. 6 000 ou 10 000? Alors là, la question change. Vu qu'il n'est plus question de cadenasser, soit tu décides d'arrêter et de partir avec 6 000 €, soit de continuer de tenter 10 000 et, le cas échéant, partir avec 6 000. C'est dégueulasse. 3 500, pardon. Énorme, 6 000 euros. Ah oui, Vincent, il me disait dans l'oreille, 6 000. Il me dit, j'ai jamais eu ça. Allez, Vincent, c'est pas, c'est un jeu, donc. Voilà, fais gaffe, chérie. Je sais pas à quoi on joue, mais ça a l'air sympa. Jean-Marie, si tu fais un strike, généralement. Vincent, Vincent, un strike, c'est bon. Non, il prend. Oui, mais enfin, à l'impossible, nul n'est nu. Non, à la piscine, nul n'est tout nu. Ouais, bon, alors, on continue, on s'arrête là. Et Vincent, il est très emmerdé. Non, mais on va tenter encore un échelon. On tente 10 000. On tente 10 000 euros. C'est sur tes épaules. Alors, si tu lui pètes un strike, évidemment que tu lui fais gagner 10 000 euros. Allez, pas de pression, Jean-Marie. Ça te dirait, Vincent, un petit strike à 10 000. Le thème de cette 7e question. Ah, mon Dieu. Ah. Sens interdit. Allez, Jean-Marie, je crois en toi. Oh là là. Il y a un truc qui va pas avec cette piste. Hein. Ouais, je crois. T'as vu, ça part super bien et puis bam. Mais si tu regardes bien, viens voir. Non, c'est parce que si tu regardes bien. Moi, je pense que. Regarde. Il faut recommencer. Hein. Non, je te montre. Si tu pars en courant, tu vas t'apercevoir très vite. Que ça part à gauche. Non, mais sérieux. Sérieux, chérie. Mais laisse-moi faire. Lola. Lola. Oui. Vincent, mets-toi au milieu et écarte les jambes. Vas-y, Vincent. Quoi, Vincent, dis-moi. Par rapport à notre amitié. Merci, Vincent.
Mais attends, attends. Alors tu te retireras au dernier moment. Je suis en danger là. Tu risques d'avoir trois couilles dans pas longtemps. Oh là là, merde. Hé, hey, Vincent, aide-moi. Oh non, merde. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai pas bougé. Je suis dégoûté. J'ai pas bougé. Ouais. Ah, merde, merde, merde. On a déconné, on a non, fait les cons, là. Mais attends, c'est incroyable, parce que quand tu la lances, elle est vraiment bien au milieu. Non, non, hey. Je sais, mais bon... Vincent, c'est... il rigole plus du tout, là. Ah non, non, Vincent, il rigole on plus. On a peut-être la réponse. Allez, on y croit. Bah, si c'est un truc sur le code de la route, avec Jean-Marie, on n'est pas mauvais. Voici la question. En mille... Oh, la ouais. vache. En 1812, quel fleuve a subi l'inversion temporaire de son cours à cause de violents tremblements de terre? Je vais vous laisser. Non, parce que je sens que je ne serai d'aucune utilité, là, tu vois. Là, je me dis que je vais plus déranger qu'arranger. Donc, vu l'état de désespérance dans lequel on est... Non, mais Vincent, une autre. Oui. C'est, ça, c'est pour rire, c'était une blague. Oui, mais non. Le Mekong, le Rio Grande, le Nil, la Volga, qu'est-ce le Mississippi, le... Yangtze-Kiang, le Niger, l'Amazone, le Congo, la Loire, le Gange ou le Danube. Nous avons une heure et quart. Top chrono. Écoute, les recordman de tremblement de terre, c'est quand même plus en Asie. C'est plus japonais, t'es exactement, d'accord? Exactement. Et en 1812, les gars. Ah ouais. Je vous en 1812. Tu veux le Yangtze-Kiang ou le Mekong? Yangtze-Kiang. T'es né, toi, en 1812. C'est comment un fleuve, il peut s'en... Le Congo... Le Mekong, on s'est connu, mais attends, serait... on va procéder par élimination. Le Congo, il nous reste 15 secondes. C'est trop non, gros. Non, c'est mort, c'est mort. Le Yangtze, non l'Amazone, c'est trop gros. Ah non, non, non. C'est mort, c'est mort. Le Yangtze. Yangtze-Kiang. Vas-y, vas-y, Yangtze. Yangtze-Kiang. Ce sera pas ça, mais... Inch'Allah. Ce sera pas ça, franchement. Ah, sur un malentendu. Ouais. En 1812, quel fleuve a subi l'inversion temporaire de son cours à cause de violents tremblements de terre? Qu'est-ce que va nous dire l'ordinateur? Mississippi, c'est introuvable. Introuvable. Et très honnêtement, qui le savait dans le public? Ah, vous le saviez? Bien sûr. Deux, qui le savait? Trois, quatre? Ah bah après, tout le monde le sait, hein. Ah oui. Non mais là, c'est honnête, parce que cinq personnes ouais. sur oh, désolé centaine, pas grave, c'était très sympa. 3005, mais... c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Bien sûr. Bravo Vincent. Merci bien à joué. Merci moi, à j'ai joué comme une merde, putain. Et oui, là, on m'a dit qu'en 1812, il y a eu un tel tremblement de terre que le lit du fleuve s'est affaissé, qu'il y a eu une vague et du coup, c'est remonté. Ouais. Bon, eh ben, écoute, Vincent, tu repars avec 3500 euros. Merci d'avoir merci joué, beaucoup. Merci d'avoir gagné. Merci de là. Jean-Marie Mapouti, ça m'a fait grave bien. Plaisir aussi, de te hein. voir. Hey, j'attends bien. Dehors. Dehors, ta gueule, je t'attends dehors. Malala, merci de m'avoir prêté son mari. Oui, on va se faire une jolie photo. Merci beaucoup. Merci le public d'avoir été avec nous. Merci les téléspectateurs. On se donne très vite rendez-vous pour les nouvelles aventures de Strike.